Salut tout le monde, c'est Yano Pipo, on se retrouve pour un cinquième épisode sur Elden Ring. Que voulez-vous? De quoi? Ah, il m'a donné un truc là? Attends, quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il vient de me donner? Donc ça c'est consomme des PC pour réduire le recul de dégâts subis. Hein? Pour réduire le recul aux dégâts subis. Ah, c'est bien ça. Quand lui m'a donné un truc là, je crois. Non, je sais pas. Il reste les deux autres là-bas là. C'est stylé. J'ai une perle, moi? Et ils offrent quoi? Appelle un chasseur à l'aide lors d'une invasion. Permet de répondre à un appel à l'aide. Je crois que c'est pour le mode en ligne, ça, non? Lors d'une invasion? Comment ça, une invasion? Alors, j'ai tout vu ici, là? Non, ici je crois que je peux pas y aller. Toucher la grâce. Ah, j'en ai pas mal des runes. Basculer vers le coffre, voilà. Dérisoire, résidor, manifeste. Pour obtenir quelques runes. Après, peut-être que je peux avoir assez pour monter de niveau, non? Ouais, on va essayer. Il y en a combien là? J'en ai qu'une. Ça sert à rien. Inventaire. Ah ouais, pas mal. Vas-y, je retente. Là, je crois que je peux monter de niveau, non? Putain, si je peux monter de niveau. Yes! Alors. Qu'est-ce qu'on monte? C'est compliqué. La vie. Mais, hein, est-ce qu'il me faudrait pas autre chose? Force. Immunité, robustesse, fatalité, nanana. Ouais. Compliqué, hein. Si je montais un peu de vie. Et je vais reprendre des machins là. Tac tac. Hop, dépêche-toi. Pourquoi c'est pas obligé de faire une cinématique à chaque fois, hein? Ça c'est un peu chiant. Ok. Encore un peut-être? Ou je fais les deux? Je sais pas. Vas-y, je vais juste voir, il me faut combien là? Merde. Ah, je peux monter sur la table? Oh! Ah, mais c'est des armes! J'avais pas calé, il y a des armes dessus quoi.
T'as pas, je les aurais dû faire un peu RP là, genre je monte sur la table et ils commencent à me menacer. Oh, qu'est-ce que vous faites sur cette table? Il m'en faut combien? Ah merde, il m'en faut 1000. Putain. Oh, j'espère que j'ai assez par contre. Oui, normalement là c'est bon. J'ai. Ouais, c'est bon, c'est bon. Tranquille. Je vais monter. L'esprit peut-être ou endurance. La force. Vas-y, la force. Je sais pas si c'est bien tout ce que je fais là, mais. Sans monter de niveau et monter les stats, j'ai jamais été vraiment doué hein, dans les jeux. Hein, ça. Enfin bon. Bon, j'ai vu ce qu'il y avait à voir, je pense. Hein. Quoique, attendez, on va tenter un truc. Est-ce que je peux sauter par là? Là en bas, là, si j'y vais, ça fait quoi? Je suis sûr, un jour, il y aura un boss ici. On parie? T'empêche, on est où? Parce qu'on est forcément quelque part. Enfin bon. Tunnel de garde-fort. En pleine nuit. Bah écoute, vas-y. De toute façon, je peux me balader autant que je veux hein, dans ce monde, donc autant en profiter. Ouais, on va dire le côté RPG est plus développé que Dark Souls, quoi. Je fais tout le temps la comparaison, je sais. Mais en même temps, c'est logique, tout le monde dit que c'est le Dark Souls numéro 4, donc bon. La différence par contre c'est un vrai monde ouvert. Par contre ça veut dire que l'autre là-bas il est toujours là. T'as juste essayé de me le faire là. Ah mais je peux quand même récupérer ici là. Ah merde, je te joue. Attends. Roulade. Putain. Putain, il a esquivé ce bâtard. Par contre, je rêve ou je suis un peu plus fort qu'avant? Ah oui, c'est normal, j'ai monté mes stats. Mais. Oh putain, j'ai eu du bol. Pourquoi on va crever là, clairement? Mais on lui a enlevé pas mal de vie. Hein. Ah ouais, mais là. Quel niveau il faudrait avoir pour peut-être au moins 4 niveaux de plus. Mais faut y aller. Hein. 4 niveaux de plus. Congélation, c'est la jauge de congélation se remplit. Vous subirez des dégâts ainsi que l'effet de la morsure du froid. Ah ouais, il y a même de. Ah mais regardez-moi cette image derrière, que c'est beau. C'est les vendeurs. Enfin, c'est le mec. Oui, c'est exactement le. Juste l'âne que je trouve bizarre, mais. Bon. Attendez. On sait qu'il faut aller là. Ok, très bien. Qu'est-ce qui nous empêche par contre de nous barrer d'ici? C'est un observatoire, ça? C'est vrai. Qu'est-ce qui nous empêche de nous barrer? Grotte du savoir, ok. Cimetière abandonné, le commencement. Ça, c'est là où j'avais vu le gars. Vas-y, on va aller là.
Sauf faut qu'on monte de niveau, qu'on se prépare pour l'affronter l'autre. Vous pouvez utiliser jusqu'à 10 objets à la fois. Attends, mais il y a tout le temps des trucs qui se passent. Salut. A pleasure to meet thee, Tarnished. I am the witch Renna. I'd heard tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed, and upon looking into the matter, the talk I surmise is of thee. Thou art possessed of the power, no, to call forth a spectral steed named Torrent. Ah, elle est au courant. Je pourrais mentir. Non, on va dire c'est moi. As I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrent's former master. Cloche, ment de spectre, c'est quoi ça? Cendre de loup solitaire, ok. Calling forth spirits, summon them with it. From ash and return to the earth tree, the spirits will obey thine command but briefly. As they recall battles past, now it is thine to do with as thou wishest. La cloche du spiritualisme vous permet d'utiliser des cendres pour invoquer toute une variété d'esprits. En général, l'invocation d'esprits consomme des PC. Vous ne pouvez invoquer qu'un seul type d'esprit à la fois. Ah ouais! Attends, elle est encore là? I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. Ah, mais elle a plusieurs bras. How long will it be, I wonder, before the tarnished tire of obeisance to the two fingers? Wow. T'es gentille, elle, hein? Vas-y, j'ai juste regardé, elle m'a donné quoi du coup? Invoque trois esprits de loup solitaire. Attends. Voilà, c'est là. Tu vas juste voir qu'est-ce que ça fait du coup ces invocations là. Mais je peux pas les invoquer là? Attends. Y'a pas la cloche? Elle est où la cloche? Elle m'a pas donné une cloche? Je comprends rien à son truc là, elle. Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Voilà, elle est là. À partir de cendres. Ok. Écoute, je vais essayer d'aller l'affronter l'autre là. Monument de renaissance. Vous devez vous trouver à proximité d'un monument de renaissance pour invoquer des esprits à partir de cendres. Lorsque vous tenez près d'un monument de renaissance et que vous avez la possibilité d'invoquer, une icône de monument apparaîtra à gauche de votre écran. Ah, c'est cool! Vas-y, on tente. Wow. Ça, c'est cool. Je peux l'invoquer quand même, lui. Oh, c'est trop bien. Ah, il m'a vu. Attaquez-le! Oh putain, par contre, il les défonce lui.
Allez Melou, on y va. On peut le faire. Putain, si après j'invoque... Oh merde. Wouah. Putain! Waouh! Ta sentinelle de l'arbre, c'est costaud, hein? Ah oui, Marika, elle s'appelle l'autre. Eh ben. Par contre, j'ai des cendres à volonté là, ça se passe comment? Fragments de ruines. Je vais vérifier parce que pas que je me fasse avoir à force de. Pas que je les invoque à fond ici et qu'après je me rends compte que bah je peux plus. À partir de cendres. Non, en fait, c'est des esprits qui sont à partir de cendres, donc je peux les invoquer quand autant que je veux quoi. Octroie des affinités de compétences à une arme, nanana nanana. Bon, on va essayer ça. Je vais juste voir c'est quoi. Est-ce qu'on peut l'attaquer? Ah ouais non, en fait ça fait juste diversion quoi. Il vient ici lui? Oh merde. Attends quoi? Il a pété le mur? What the fuck? Attends, what? Ça m'a perturbé là. Il peut péter des structures. Il est fort. Je pensais pas à ce point là. Bah dis donc. Ouais, on va éviter le gars quand même là. On va essayer de se balader aussi un peu. Donc là c'est la mer par contre. C'est à dire qu'on a un bateau, on a des véhicules. Ça se passe comment? On a un lac. On va visiter un petit peu la map. Hop là. De toute façon, il faut qu'on monte de niveau là, donc. J'ai un truc là par terre, c'est quoi? Rune d'habitants des confins. Je me casse avant qu'il me voit l'autre là. Pourquoi j'ai invoqué les loups là? Waouh. Venez avec moi.
Mes fidèles compagnons. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas besoin de faire ça. Attends. Allez, on y va. Oh, c'est stylé. Par contre, si je saute, ça fait quoi? Ouais, tombez pas par contre, vous. Hein. Oh putain! Waouh! Ah, oh, c'était impressionnant ça. Ah, mais grâce à mon double saut, je pourrais aller sur le pont et. Et waouh, 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 waouh. On va éviter de tomber quand même. Putain, c'est vrai que je peux les attaquer en l'air. Eh ma monture elle est géniale. Attends, faut que je le... Ils l'ont eu? Yes, c'est trop fort. Eh vous gérez hein. Purée mes loups. Qu'est-ce qu'il y a là en bas par contre? Si je saute et qu'au dernier moment je fais un double saut, vous pensez que je survis? C'est le moment d'essayer. Non, ça a pas marché. Oh, c'est dommage. Moi, je pensais que ça marchait. Ça, c'est pourri. Là, vous voyez, c'est pourri. Franchement. Waouh. Ouais, franchement, là... Bon, il y a une logique, en vrai. Mais... Pff. Je sais pas si tu fais un double saut, logiquement ça. Ouais, bon, c'est pas grave. Du coup. Oui, je vais invoquer de nouveau mes petits chiens là. Parce que c'est trop stylé. Franchement, moi je kiffe. C'est quoi le jeu? Ah oui, c'est ça. Attends. Voilà. Hop là, c'est reparti. Bon, juste regarder un petit peu. On a quelque chose là à récupérer? Je sais même plus. On y va quand même. Ne serait-ce que par curiosité. Attends, par contre. Ah non, c'est bon, c'est en haut. Je suis en train de me dire si c'est en bas, c'est un peu con quoi. Je peux récupérer là? Ouais. Oula, putain, je crois que j'allais tomber. Bré hein. Qu'est-ce qu'on est attaqué? Oh, c'est où mes loups? Ah ils étaient... Ah ils pouvaient pas aller plus loin. Hop là. Oh putain mais c'est bien ça. Il existe des scarabées larmoyants pourpres et cérulins, terrassez-les pour obtenir la fiole correspondant à leur type. Yes! Là par contre on peut descendre en bas. Par là on n'est pas encore allé. Hop là on y va. Il est où l'arbre géant par contre? Ah là-bas. Ah ouais quand même. Ok, je croyais que c'était lui là-bas, mais non. Ça c'est petit en comparaison. Il est beau ce jeu hein. Tu peux bien te balader hein. Un peu comme dans... Oula oula oula. Attends c'est quoi là-bas là? C'est un cavalier. Ok ciao. Fait penser à Shadow of the Colossus.
T'as les heures que j'ai passé à me balader en cheval dans Shadow of the Colossus. Y'a des ennemis là en bas, mais c'est quoi? Ah, ça va être bizarre. Ah mais y'a un feu là-bas. Je peux y aller ou pas, vous croyez? Est-ce que j'arrive à l'atteindre? Ça la grande question. Il y a quelqu'un, mais... C'est des ennemis sûrement, non? On peut toujours tenter d'y aller, mais... Attends, quoi? Pardon? Ah mais il les a tous éclatés par contre. Il m'a vu là? Oh putain, ouais, il m'a vu. Il m'a clairement vu. Waouh, 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 putain, mais c'est du napalm ou quoi là? Putain, vous avez vu le... Waouh! Ah ouais, mais ça, non, ça j'ai pas le niveau en fait. Hein. On oublie. On oublie. Par contre, dépêche-toi parce qu'il va nous éclater sinon. Ça s'appelle comment? Aguil, le dragon volant. Pourquoi des dragons qui volent pas? Cherche la logique. What? Ah, c'était un bout de bois. Putain, je suis sûr c'est un machin à la con qui explose, non? Oh putain, ouais. Ah non. Ok, ça va. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne des coups? Ah non. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est mort ou il est pas mort? Ah, il essaie de m'empoisonner avant de mourir. Mais il est mort? Voilà. Wow, pourquoi il y a des gens accrochés là? Attends, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Wow! Wow, 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 c'est quoi là? Attends, qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh merde, merde, merde! J'aurais peut-être pas dû descendre là en bas. Ouh les bâtards. Attends non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, 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 voilà. Ah, j'aurais peut-être pas dû descendre là en bas. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça?
Caverne des eaux noires. C'est spécial. Attends quoi? Ah, je peux pas me téléporter pour le moment. On peut être essayer la caverne des eaux noires. Il y a un truc qui court là-bas. Il me voit derrière les buissons. Ah merde. Oh merde, 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 merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont pas... Waouh. Oh putain. Waouh. Ils sont costauds eux. Par contre, ils m'ont pris mes runes. Ben, on retente. J'avais pas vu, putain, il y avait peut-être un fil par terre. Ça a activé des petites cloches. Ah ouais, j'avais pas vu par terre là. Voilà, cette fois on a réussi. C'est pas con le petit coup des cloches là. Ah merde, ils m'ont vu. C'est bon? Voilà. Ah, capuche de brigand. On verra ça plus tard. Ok, il y a des gens. Il y en a combien? Il y en a deux. J'essaie de l'avoir par derrière. Waouh. Yes! On se l'est fait. Ah bah merci pour le coffre. Y'a rien? Attends, y'a rien? Ou y'a un bug? J'ai rien obtenu? Oh, je suis deg! Attends, tu mets un coffre logiquement à quelque chose au bout?
Ah bah ça c'est la meilleure, franchement. Attends, il y a un piège alors? C'est pas possible. Ah, c'est un faux coffre et en vrai... Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, hein, mais si ça se trouve... Ah! Pourquoi me faire passer par un brouillard si finalement il y a seulement un coffre? Ah oh, putain. Attends, c'est... What? Attends, c'est qui ce mec? Wow, 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 wow. Oh, c'est bon, j'ai pris le coffre. Hein. Sert à rien de te battre pour lui. Wow, wow. Putain, il a bien esquivé. Oh putain, j'ai envie de me le faire là. Oh, je vais l'éclater. Ah, par contre, ça veut dire qu'ils sont de nouveau tous vivants là. Ah merde. Vas-y, on se les fait tranquillement. Et après, on va se le faire lui. Hein. Non, mais attends. Mais c'était qui ce gars? Mais je me disais que c'était bizarre qu'il y ait le coffre tranquillement qui nous attende là. C'était pas naturel quoi. Le problème c'est qu'il y a eux d'abord là. Ils sont déjà costauds eux. Oh, épée courte. Bah, ils m'ont donné des trucs là, c'est cool. C'est tout comme vie là. Oh là 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 là. Bon, attendez. Ah non, elle est moins forte. Ils m'ont donné que de la merde en fait. Ah ouais ouais. Bon, tant pis. Hein. C'est pas grave. Bon, attends, c'est où déjà? Ok, ça là, ok. Ah, mais j'ai un calé que j'étais même pas obligé de descendre ici. J'aurais pu partir directement là-bas. Vas-y, attends, on recommence. Attends, on va pas se faire chier. On va pas s'emmerder. Tourne là, voilà. Ok. Les autres y reviennent, ok, très bien. Mais au moins on va se faire les deux qui sont là. Tranquille, voilà.
J'attends qu'il vienne lui. Et maintenant on va aller sur l'autre là. Salut mec, tu m'attendais? Putain, il m'a bien niqué déjà. Mais prends pas au sérieux du tout là. Attends, t'es sérieux là? Mais non! Putain, j'aurais pu l'avoir là! Il a repris de la vie, casse les couilles! Je sais pas si je le bute, ça fait quoi? Parce qu'au final, j'ai quand même pris son coffre, face au trésor. Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait dedans. Je crois que c'était même pas un truc. Oufissime quoi. Vas-y, on retente. Faudrait que j'arrive à le forcer à se battre de nouveau avec deux mains. Putain, le salopard, mais il est fort en vrai. Hein. Mais il se protège même pas, ce salaud. Et malin, parce qu'en fait il attend à chaque fois que j'ai dépensé mon endurance. Putain, j'ai cru qu'il allait boire une potion, ce bâtard. Ah mais ça veut dire que j'aurais pu arrêter de l'attaquer? J'ai pas compris. Après j'y crois vraiment que je vais arrêter de l'attaquer s'il me le demande. S'il m'attaque, je sais pas, un peu de logique. Mais si cette fois on se le refait. Après, je m'énerve. Il a une manière trop bizarre de se battre. En fait, il a une manière presque humaine de se battre. C'est chelou à dire, hein, mais... Non, il m'a eu, lui. Salopard, putain. Arrêtez de m'enlever de la vie. J'en ai besoin, là. Hop là, c'est reparti. Ah oui, en plus j'avais perdu mes runes. Putain, non!
Mais non! Si facilement là! Allez, on retente! Hop, on retente, on retente, on retente, on retente. Pop, 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 pop. Allez, cette fois on y croit. Oh putain, il m'a donné un coup de pied lui. Oula 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 oula. Non. Ah putain. Aïe. Ha. Ah le salopard. Ah. C'est la première fois qu'on a de nouveau une image. Enfin, qu'on a, je veux dire, qu'on a deux fois une image, deux fois la même image. On l'avait déjà eu cette image. Bref, allez, on retourne. J'ai vérifié que les autres me suivaient pas. Hop 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 hop. Hop là, on y retourne. Il s'appelle comment ce mec? Pat. Putain, mais il est rapide. Il est vif. Il faudrait qu'il reprenne de nouveau les deux mains. Putain, il voulait me pousser sur son machin là. Putain, mais comment ça se fait qu'il peut être intelligent? C'est censé être un robot. Non mais what? Oh. Eh ben cette partie là, on a fait que de la merde. Franchement. Bon, je le mettrai quand même sur YouTube parce que vous avez des. Ça vous fait découvrir un peu le jeu, mais putain. Que de la merde. Je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Ouais, on va s'arrêter là. De toute façon, ça fait 49 minutes là. De toute façon, je peux pas aller plus loin. La play, à un moment donné, la vidéo elle va être coupée, donc bon. Donc j'enregistre directement sur la play. Bref, bah du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Même si, bon, après peut-être c'était drôle pour vous de me voir en train d'être, enfin de me voir me faire défoncer. Bon après au moins ça vous montre la difficulté du jeu, ça vous montre qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu. Voilà, je trouve à dire un petit mélange entre
Dark Souls et The Witcher. The Witcher dans le sens où tu vas dans des endroits où il y a des monstres, il y a des quêtes, il y a des... enfin il y a des quêtes, il n'y a pas de quêtes. Mais je veux dire, ça par exemple, le fait d'aller affronter ce mec, ça aurait pu être une quête dans The Witcher, très clairement. Hein. Même le simple, la simple idée d'aller dans une grotte comme ça et tout, ça fait très The Witcher 3. Mais bon, enfin bref. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à donner votre avis en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la petite cloche pour avoir les notifications, je sors assez régulièrement des vidéos. Et sur ce, encore merci à vous et à bientôt. C'était Yano Pippo.